Ouais. Ça va ou quoi la famille? Vous m'entendez bien? Désolé, je sors de la douche là. Ouais. C'est bancal l'intro, on dirait c'est le premier live. T'es allé. J'ai perdu l'habitude. Excusez-moi la famille. Ça va ou quoi? Le setup a toujours pas évolué. Toujours pas malheureusement, mais. Vous me pardonnerez bientôt. Vous me pardonnerez bientôt d'ici une semaine, grand max. Je savais pas comment te le dire, mais on va sortir ensemble. Vraiment pas. Vraiment pas, BG. Le bras bas de l'eau. On dirait pas, j'ai le bras terre. Mashiba dans Hajime no Ippo, celui qui fait le piqueur diable, ça comme là. C'est vrai qu'il est long, t'as les fous. Wesh! Mais je suis un Doberman ou quoi? Non, c'est grave ce bras de Doberman. Pourquoi je suis bloqué de Twitter, Bilal? Bah sûrement parce que tu m'as fait chier, je suis désolé mon frérot. On fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, programme tout simple. On a un jeu qui a beaucoup tourné sur Twitter et sur TikTok. Apparemment, bon, j'ai pas TikTok, mais sur Twitter. Et le jeu, on dirait un cauchemar tout simplement. En fait, je crois que le mec, il avait pas le droit de courir dans le jeu. Et de toute façon, on a tous vu la vidéo quasiment. Donc, je suis curieux de voir le jeu, il ressemble à quoi dans son intégralité. Donc, on va le lancer, puis let's go. Hein. Billy, ça résonne de fou ce local. Ouais, je sais. En fait, faut que je mette les trucs anti-son. En fait, au lieu de faire mon, comment dire, ma construction anti-nucléaire derrière là, j'aurais dû les mettre sur les murs, mais plus. Donc, le jour où je le ferai, ça résonnera pas trop. T'es à 3 km du micro. Ouais, je sais, je vais essayer de me rapprocher un peu. Mais là, en faisant ça, je suis même plus le personnage principal de mon live. Je suis là-bas. Tu m'as manqué de fou, Billy. Ça va ou quoi, Mathéo? Ça dit quoi? La famille, très très important. Pour tous ceux qui ont trouvé que j'étais très absent dernièrement. Oula, je suis en petit short là. Pour tous ceux qui ont trouvé que j'étais très très absent dernièrement. Attendez, ah, je peux pas vous dire la date, mais attendez quelques jours. Vraiment, c'est une histoire de jours. Vraiment, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce sur quoi je bosse depuis plusieurs mois et à quel point l'événement va être big. Et quand je l'annoncerai, Inch'Allah, vous serez grave content du divertissement proposé. Et ça va être fou. Ça va être fou. En tout cas, sachez que c'est clairement le projet de ma vie. Je pourrais jamais proposer quelque chose d'aussi big. Je vous spoil pas plus parce que là je commence un peu à m'auto-liquer. C'est aujourd'hui l'annonce. Non, c'est pas aujourd'hui. En fait, il y aura un teaser que je mettrai sur les réseaux dans vraiment quelques jours. Et le teaser, il y aura la date du live qui sera aussi dans quelques jours. Vraiment. Mais pour vous donner une idée, on est de combien? Le 29? Tout se joue autour d'une semaine grand max. Ok? Donc voilà, l'annonce, ça va bientôt être faite. De toute façon, vous savez, ça va boxer. Ouais, vous savez déjà. Vous savez déjà de quoi. De quel calibre. Ah non, j'allais dire de quel calibre on chauffe. De quel bois on chauffe. Mais voilà. Selem, c'est quoi le programme? Merci beaucoup, Elsie, pour les subs. Elsie, est-ce que t'es Elsie de Camino? Je sais pas si c'est toi, mon frérot, mais merci beaucoup en tout cas. PTDR, tu te leaks tout seul. Mais leak pas. Pardon. Mais ça arrive. Mais en vrai, tous ceux qui me suivent, vous savez déjà très bien que je parle de cet événement depuis un moment déjà. Mais je voulais pas arriver n'importe comment et vous proposer n'importe quoi. Donc là, c'est simple. Je pourrais pas vous proposer mieux. Enfin, vous verrez de toute façon. Vous verrez. C'est quoi le truc noir derrière toi? C'est des mousses acoustiques, enfin, qui sont censées éviter que le son résonne trop. Mais ça a pas marché. Billy, j'ai passé une journée de merde. Alhamdoulilah, t'es là ce soir. Bah, ça fait plaisir. Enfin, pas que t'aies passé une journée de merde, mais ça fait plaisir que le live te mette bien. Billy, je suis un gars chill, bien chill. En vrai, le live de ce soir, il est chill. Tu connais, moi, je suis là, je suis chill, je suis en détente. Insultez-moi dans le chat. Je suis chill. Si pour préparer ton projet, tu ne fais pas l'événement GTRP. Alors non, rien à voir. C'est juste que GTA, je prépare aussi quelque chose de mon côté. Je me voyais pas rejoindre ça là pour l'instant. J'avais d'autres choses à faire, mais pas forcément que mon projet à moi. J'avais d'autres choses à faire.
Mais moi, il y a quelque chose qui arrive bientôt. Mais vas-y, arrêtez de me faire leak tous mes projets là. C'est ça arrive. Pourquoi tu live plus chez toi, BZ? Tu comprendras bientôt. Tu comprendras bientôt pourquoi je live plus. Et là, j'ai le sourire aux lèvres parce que enfin, ça y est, là, vous saurez tout d'ici quelques jours. Ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien. Trop contente de te voir. Bah, ça fait plaisir, merci beaucoup. La famille, je pense qu'on va lancer le jeu, hein. On va lancer le jeu, je sais pas du tout le temps qui dure. Si jamais le jeu, il est trop court. Moi, j'ai d'autres jeux indés que j'avais téléchargés l'autre soir parce que je m'ennuyais. Je me suis dit, vas-y, je vais les lancer. Enfin, je vais jouer tout seul, tout ça. Et à chaque fois que je lançais un jeu, je me disais, non, celui-là, il est trop énervé, faut que je le garde pour quand je suis en live. Voilà. Du coup, il y a plein de petits jeux sympas que j'ai pas fait. Ça va ou quoi? Arriba. Arriba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, mon frérot. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va ou quoi? Ça dit quoi? Zoom un peu la cam. Pour quand le prochain Urbex? En fait, la famille, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de l'Urbex que j'ai fait avec Amine sur YouTube. Comment dire? En fait, en live, c'est devenu compliqué parce que les deux derniers Urbex que j'ai fait en live, les gens, ils étaient trop vifs pour nous rejoindre. Même un live Urbex que j'ai fait avec Théodore dans la forêt, on était, je sais pas où, au fin fond du 9-5, il était minuit. Il y a des gens qui sont venus, ils nous ont fait peur. Enfin, ils nous ont fait peur. Il faisait trop de bruit et nous ça nous a un peu effrayés. On savait pas si c'était des abonnés ou des vrais gens. Et franchement, quand on fait un urbex, c'est terrifiant parce que y a rien qui est scripté. Ça veut dire si un SDF qui a un couteau ou quoi, bah, c'est du réel quoi. Du coup, on s'attendait au pire. Et ça nous a saoulé un peu le fait qu'on puisse plus faire ça en live. Mais Inch'Allah, ce sera sous format YouTube maintenant. Ce sera tout aussi bien avec un montage bien d'arca. Mais dommage que les gens ils viennent tout niquer comme ça en live. C'est dommage. Son un peu bas. Ouais, désolé, c'est parce que mon micro, il est bien loin. Faut le faire à l'étranger. Ouais, mais frérot, là, je vais pas aller au Brésil, frérot, je vais faire un live, je vais rentrer chez moi, tu vois. Kamel devait pas dormir en urbex. Si, exact. Mais en fait, Kamel et moi, vous nous connaissez, je pense, à force. C'est pas qu'on est des menteurs, mais on met du temps à accomplir ce qu'on dit. On met du temps, mais quand ça vient, c'est vraiment bien. Voilà, je prends un peu la défense de Kamel. La cam est penchée. Ouais, la cam, elle est un peu penchée. Je prends un peu la défense de Kamel. Il va le faire. Et tout comme moi, tout ce que je dis depuis le début, ça finit par se réaliser, mais vraiment longtemps après. Tu connais Arcueil dans le 4? Ouais, je connais. Billy, le jeu d'horreur, il fait trop peur. Bah, vous savez quoi, on va le lancer dès maintenant. Attendez, je vais lancer le jeu. Oh, il est en français? Accès anticipé? Attends, pourquoi il y a le micro là? Test 1, 2, 1, 2, test! Ah non, si ça commence à entendre les sons et tout, manette. Sans Igor. Ouais. Pardon, excusez-moi. Vas-y, c'est bien au max là. Comment ça, manette? Moi, je suis au clavier souris, moi. Oh non, j'ai pas de manette, moi, ici. Choisir du ruban adhésif? Mon rêve, c'est que tu répondes à mon message. Bah tiens, Anaé, enfin je sais pas comment prononcer, excuse-moi. Fréquence de rafraîchissement. T'as vu, pourquoi t'écris trou de balle, frère? Écris, parle bien, frère. Tu seras en face de moi, tu m'aurais pas dit ça. Je mets quoi? Je vais mettre 120 Hz, non? Désolé, j'ai fait le baron. J'ai fait le baron de la drogue, mais. Au bout d'un moment, faut pas insulter les gens aussi facilement. Tape, tutoriel, d'accord. Voilà, je suis bloqué dans le menu, je comprends pas. Confirmer.
J'espère que je peux jouer au clavier souris, hein. Si c'est que à la manette, j'ai pas de manette moi. Ok, la vidéo suivante est classée Arc 2500. Sujet, Grace Chen, âge 12, elle a disparu. On l'a vu pour la dernière fois en 1996. Robert Chen, âge 18, disparu. C'est son ref, il a aussi disparu? The following footage was recovered. Pourquoi son ref en dessous, il avait écrit retarded? Zama, je crois il est con, Zama, j'ai pas compris. Ah, je peux jouer au clavier à la souris. Move mouse, look caméscope. Zoom caméra. Oh là 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 là. Ça me rappelle les jeux horreurs indonésiens un peu. Je sais pas si vous voyez, enfin, j'en regardais avant sur YouTube. Et c'est un peu dans cette DA-là. Il y aura une rediff. Ouais, il y aura toute la vidéo sur la 2.0 et sans montage. Ce sera comme une rediff sur ma chaîne de rediff, mais là ce sera sur la 2.0 direct. Je mettrai tout là-bas maintenant. Je fais comment? Ah, d'accord. Récupérer la batterie. Ok. Recharger la batterie. La famille, je le rappelle, mettez-vous dans le noir. Son au max. Moi, le son, il est à fond dans mes écouteurs là. Prendre la clé du van. Marcher jusqu'à l'arrière du van. Ouais, je commençais bien grand à l'arrière. Ça me rappelle le film sur Netflix, il est excellent. C'est même c'est un mec, il a un masque un peu en pierre. C'est Black quelque chose, Black Box, je crois. Rappelez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Black Phone, voilà, Black Phone. Ce film, il est excellent. J'ai vraiment kiffé. Ouais, on peut courir dans le jeu. C'est bizarre parce que lui, dans l'eau, il pouvait pas courir, je crois. Lire le codex, d'accord. Il y a des mystères qui apparaissent, des enfants disparaissent, ok. Des enfants disparaissent durant les heures de cours. L'école est fermée prématurément pour l'été. Ok. Need to break the glass. Hope nobody hears this. Ah ouais, d'accord. Pardon, j'avais pas vu qu'il fallait faire clic droit. Ah, le jeu, ça a l'air d'être quelque chose. Hein. Entrée à l'école. Power's off. Gotta find the breaker room. Trouver une salle de disjoncteur. Ah, je descends pas en bas, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ça y est, déjà commencé à descendre. Ah non, je suis obligé. Y a pas un casier d'ouvert là? Frérot, tu t'es trompé de jeu, je crois. Dis Wallah. Vous êtes sûr que je me suis trompé de jeu là? Non. Wallah, j'ai pas fait exprès la famille, je suis désolé. Oui. C'est que le tuto. Ah, d'accord. C'est vrai, ça, c'est bizarre que ce soit un tuto alors que l'histoire, elle commence, je comprends pas. Les jeux vidéo, je suis vraiment gaze, c'est grave. Non, mais c'est pas possible. Wallah, je fais pas exprès la famille, elle est... y a un souci là. Ah, cette porte. Si
Si j'étais dans un jeu horreur, comment j'aurais dormi ici toute ma vie? J'aurais mis une petite couette par terre là. Je veux rien savoir. There it is. Oh, j'ai eu peur. En vrai, j'ai le son tellement fort dans le casque là que le simple fait qu'il parle, ça me fait sursauter. Des lampes sur les étagères. Vas-y, je vais activer le disjoncteur. Comme ça, generating level. Ah, je fais du bruit, d'accord. Ok. Dans le jeu, je peux faire du bruit en fait en marchant. Bordel, on dirait un niveau des backrooms dans Escape the Backroom. Sors-moi d'ici. Oh non, se cacher dans un casier? Tu n'es pas tout seul. Déjà avoir la poitrine serrée là. En fait, c'est quoi ça? Je comprends pas. Inventaire. C'est grave angoissant, je kiffe. Le son du jeu est pas très fort. Ah bon? Attends, je vais augmenter un peu. L'audio, volume principal, je mets à 100. Volume musique, je mets à 100. Pardon. Ça l'a fait esquiser. En fait, ça sert à rien, je clique sur ça, il n'y aura jamais un objet à l'intérieur. C'est genre juste mon sac à dos. Je peux me cacher. Pas trouvé la cassette. Ah, elle est là. J'ai bien fermé la porte. Hop. Welcome to the ARC training program. Our goal is to equip you with the knowledge and skills necessary to safely navigate the anomalous dimension known as the Lambda superstructure. As you may know, ARC is dedicated to exploring and mapping out the Lambda superstructure. This dimension can be a challenging environment, and it's important to be aware of the signs that indicate the presence of entities. Je comprends rien, c'est quoi ce mode d'emploi là? If you encounter flickering lights, be aware that this may indicate the presence of an entity. In these situations, it's important to remain calm and take precautions to ensure your safety. Okay, gardez votre calme, ils disent. If you find yourself in a dark environment, be aware that this may also indicate the presence of an entity. It's important to always have a source of light with you and to remain focused and alert. If you encounter a friendly looking animal, it's important to be cautious. Pardon, pardon, pardon. Vas-y, ça marche. Ça marche. Excusez-moi. En fait, le son du jeu, il est tellement fort dans mon casque que quand il parle, ça me fait peur, t'as allé fou. Enfin, quand il parle d'un coup, je veux dire.
Je dis pas qu'il est là, le monstre. Ah non. Mais c'est quoi cette école de prisonniers? Reading you takes place. Reading you takes place. J'ai rien compris. Franchement, ces enfants, ils se présentent à moi, je peux en prendre 3. 3 facilement, moi tout seul, je peux en prendre 3. Mais là, quand ça commence à être en noir et blanc, ça devient compliqué là. Je veux prendre que les enfants en couleur. Attends, elle est bizarre ma phrase. Je parle bien des photos. Je parle bien des photos, les gars. Une pièce en cul-de-sac. Marche, ne cours pas. Oh, pas du tout. C'est pas moi qu'il faut dire ça. Ça, ces souliers, ils font trop de bruit, ces souliers. Je suis désolé, les gars. Mais une paire d'Air Max, je sais pas. Il a les chaussures, t'as un Pinocchio. Ouais, j'ai ramassé une note, mais elle apparaît pas. On va y marcher. Je peux même pas me cacher dedans, c'est trop bizarre. C'est quoi ça? Un tournevis. Je peux pas avancer aussi lentement tout le. Ouah! La famille, on est d'accord que il y a un souci. On est d'accord qu'il y a un souci dans sa façon de parler dans ce foutu jeu. On est d'accord ou pas? Je suis pas fou quand même. En fait, le fait qu'il n'y ait aucun bruit et qu'il parle, c'est comme un screamer pour moi. En plus, il fait Nidoki. Tranquille, frérot. Ah non, ça, c'est la clé, t'as mon van. J'ai voulu tenter. Ah non, non. Pourquoi? Ok. De toute façon, j'avais déjà eu un peu peur avant, ça, mon cœur, il était habitué déjà. Oh non, je commence à regarder à gauche, à droite. C'est que je commence vraiment à avoir peur. Pourquoi ma lampe torche elle s'allume pas là? Ouais, j'y remets une pile, on dirait, il mange un tic-tac. Vas-y, j'irai plus tard. Je vais aller là plus. Et ben, on va sortir d'ici. D'ici 30 ans, ça n'aura plus aucune importance les chaussures que tu as portées. Comment tes cheveux ont. À quoi ont ressemblé tes cheveux. Ou le jean que tu as acheté. Ce qui va compter, c'est ce que tu as appris et comment tu t'échappes. Ok. Cours, échappe-toi. Je vais m'échapper. Eh, ce jeu, je peux pas. Je vous jure, je peux pas. Le fait qu'il n'y ait aucun bruit d'ambiance, je ne peux pas.
Oui, ça doit être ça. Bah oui, un ascenseur. Je vais le prendre, mais... C'est pas pour vous provoquer, hein. C'est une clé. Ouah, d'accord! Non, vas-y, je vais baisser le son des voix là, c'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est trop le son des voix là. Y a même pas, frère. Abuse du réact, toi aussi. Wallah, la famille, je ne fais pas exprès. Le son, il est à fond dans mon casque et le fait qu'il parle d'un coup, j'ai l'impression que c'est le son d'un monstre en fait. Baisse le son du casque. Vas-y, vas-y, je baisse le son. Tu n'utilises pas le bon micro pour le jeu. Bah, encore heureux. C'est quoi en haut? Il y avait un truc, non? Ah, c'est un bug de fichage. Vas-y, c'est bon. Vous savez quoi? Il peut y avoir un monstre. Ah, me dis pas la clé, elle est dans un casier comme ça là? Wesh! Un cuiseur d'œufs? Quoi ce bordel? Toutes les notes que je trouve, je sais pas bon parce que j'arrive pas à les voir dans mon inventaire. Vas-y, j'ai pris tous les objets, je crois. Il n'y a plus rien. Codex, livre rouge. Ah, d'accord. Il y a une entité malicieuse, ok, on est tombé face à face avec elle. Ils nous ont réveillés super tôt aujourd'hui. L'alarme sonnait tard des fous. Mais cette fois, c'était différent. Au lieu de nous sortir du lit habituellement, il y avait ces soldats avec ces gros guns, tout silencieux devant la porte. C'était flippant. Toute la journée m'a paru comme un rêve. On nous a dit de mettre nos habits hyper vite et nous emmener au gymnase. Mais je savais que quelque chose nous attendait là-bas. Mon Dieu, c'est quoi cet enfant-là? C'est vrai, depuis tout à l'heure, je gaspille ma torche. Il y a des pièces trop bizarres, je comprends pas. Tournevis. Mais le tournevis pour faire quoi? Là? Ouvrir la trappe. Ah, ça! D'accord, ok. Les refs, il n'y a aucun tournevis. Tu mets un coup de tête à l'intérieur, c'est ça normalement.
Pour la plaque. Pour la plaque. Ok, d'accord. Non, c'est trop la... La lampe torche là, elle est... Ouais, elle éclaire rien. Attendez, je me suis fait piquer par un moustique là. J'ai peur, t'es allé fumer, même moi. On était là tout à l'heure, non? Non, c'est bon. Je retourne de là où j'étais là. Ok, faut pas que ce soit là. Mais je peux aller où? Ah, le jeu il me met pas bien, c'est un truc de ouf. Je suis pas bien. Hein? Non, je peux pas le reprendre. Comment ça je peux pas le reprendre? La clé, non, la clé, c'est la clé de mon van. Je suis pas sûr d'avoir visité là, là. Non, j'avais pas visité ici. C'est l'enfant de Denote. C'est lui qui a la clé, c'est sûr. Tiens ta grand-mère. La clé, elle est là. Pitié, pitié, pitié. Ouais. Il est chaud, hein. Préparez-vous le chat, hein. Je connais les joueurs. Si vous voulez, j'éteins la lumière. Comme... Non, faut mieux l'allumer. Faut mieux l'allumer. Bien sûr, comme tu as vu ce croisé. This should open the elevator. Bah, je fais comment? Regarde là, sinon elle avance. Mais là, je suis foutu là. Je fais comment? Dégage! Comment? Oh là 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 là. Comment faire? Les gars, je suis foutu là. Hein? Ma souris? Non, ma souris, elle a plus de batterie. Voilà, elle a plus de batterie, regardez. Non, c'est pas le moment. Oh, le hasard de fou, c'est quoi ça?
Si, chargeur. Ça va, ça va, ça va. En fait... Non. Ne dis pas qu'on a recommencé à là. Oh mon dieu. Ça m'a fait recommencer depuis le début. Non, pitié. Wait. Where am I? J'ai toutes les clés. J'ai la clé de l'ascenseur. Inch'Allah, ça m'a pas débloqué le petit encore. J'entends petit. Subhanallah, j'entends petit. C'est quoi cette salle là? C'est ça, c'est la bonne salle. L'ascenseur, il est où déjà? Les gars, l'ascenseur, c'est où? C'est derrière lui ou là, là? Le bruit du gamin, on dirait plancton te... Ouais, t'es fou. Débrouille-toi. Au fond à droite l'ascenseur. Au fond là-bas, hein. Mais c'est quoi ce bruit? Vas-y, vas-y, à tout à l'heure. On se reverra. Eh, je vais jamais réussir à finir le jeu. Il est angoissant, c'est un truc de ouf. Je me casse, c'est le monstre. Mais c'est quoi ces bruits de porte enfoncée? Je comprends pas. Il y a des screamers ou pas? Il y en a de ouf.
Vas-y, remets-moi dans le couloir là, voilà, celui-là. Non, pas celui-là exactement, mais tant pis, c'est pas grave. D'accord. Non, tout devient angoissant là. Non, j'aurais pas dû. Pardon, j'aurais pas dû. Il y avait rien de derrière. Ça me rend fou de d'être en moonwalk comme ça là. C'est une clé. Non. Wesh, l'ascenseur, il est où, frère? IRL, tu lui mets un pénalty, c'est terminé. Je l'ai. Wow, c'est l'un des jeux les plus durs que j'ai fait de ma vie en horreur. Oh là là. Niveau généré, me dis pas que ça génère un niveau unique à chaque fois, genre aléatoirement que pour moi. Si c'est ça. Astaghfirullah al-Azim, c'est quoi cette musique de fou furieux? Que ça? Poésie célèbre. Ouais, je suis un coussin péteur. S'il vous plaît, retournez vos livres ici. Un ballon rouge. Je le prends? Non! C'est quoi ce bruit de fou? Non! C'est quoi ce bruit de fou furieux? Me dis pas que je le pète là comme ça. Non, ça va. Un bruit de malade mental. Un bruit de Space 12. Oh là là, mais ce jeu, il est défendu en collaboration avec le Shetan, c'est pas possible. Oh! Désolé, mais. En fait, depuis tout à l'heure, je jette les caisses en métal là, je les jette, mais ça fait pas autant de bruit là, ça fait un bruit de. Ça fait un bruit, on dirait un immeuble, il s'est effondré, je suis cuit. Ah, je le referai plus, pardon.
Voilà, doucement. Ah non, je suis mort. Quoi? Pourquoi ça court sur moi là? J'ai entendu des pas. Vas-y, trouver tous les livres, ça va être chiant, frère. Oh lolo. C'est bon. En fait, ça va, la zone pour que le ballon me touche, ça va. Ah, les rires du monstre. Lightstar, c'est trop. Ah! Arrive. Les minuteurs, je sais pas à quoi ça sert par contre. C'est quoi les ballons? Les ballons, quand ils me touchent, ils explosent, ils font un vacarme pas possible. Et le monstre, il vient sur moi. Oh! Je sais, le minuteur, je le pose, il fait du bruit, ça attire le monstre, je viens de capter. Je vais le mettre là. J'ai la poitrine compressée, sa mère. J'ai cru que le monstre il allait me courser, mais en fait j'avais le temps d'ouvrir les portes. C'est ça le fameux niveau de la piscine. Ouah, faut avoir le cardio après, hein. C'est pour ça le mec qui courait pas dans la vidéo, il avait plus de cardio. Ouah, cette pièce elle est archi stylée. Oh non, ça c'est la petite otard qui te donne des microbes au pied là. À chaque fois je m'accroche sur les côtés. Je m'accroche là, je mets mon pied là. Ensuite là. Oh le boucan. On va se casser. Ça fait un boucan pas possible, frère. Le pédiluve. Ouais, voilà, c'est ça. Pédiluve sur nous. Attendez, le tuto il dure longtemps quand même là, non? Je fais un bruit pas possible, subhanallah. Je vais pas faire la même erreur.
Oh, j'ai cru que c'était un monstre, c'est un radiateur, frère. Hein? Allez hop, je vais dans mon conduit. Je veux même pas savoir c'est quoi qui a accéléré là. Je vais dans le conduit. Ok, je suis rentré par là tout à l'heure. Frère, ce niveau il est impossible. Je suis obligé de faire du bruit comme ça. Je vais en refaire un dernier. Ok. J'ai pas le choix. Je peux pas, frère. Je suis obligé de partir de l'autre côté en fait. Il va me choper. J'ai pas compris le but du jeu là. Il y a même pas de but. C'est faire peur, c'est tout. Je suis obligé de passer par là en fait. Je suis dégoûté avec ça. Ça va, vas-y, je suis obligé de passer par là, mais les bruits de Yeti qu'il y a là, on va se faire courser, hein, je vous préviens. Il me reste une batterie en plus. Oh là là. On va se faire courser, les gars, je vous préviens. Waouh, je l'ai vu, c'est Yeti des neiges contre Inox Tag. Des lèches contre Inox Tag. Inox. Wouah. D'accord, c'est bon. Putain, ça me tue, je me suis rendu les mains en l'air. Zarma, c'est un keuf. J'ai comme ça devant lui. C'est bon, j'ai compris, ça y est. Je vais prendre par là un peu. En vrai, je suis toujours déçu quand les monstres ils nous attrapent et ils nous mangent. Dès que je vois l'animation et que ça fait pas très peur, le monstre, c'est bon, je suis pas. Pff. Ok, c'est bon. Comment monter le niveau de l'eau là? Du savon, c'est une blague. Je vais pas faire ça tout le temps. Non, ça change rien. Je me suis dit, bien avec du savon, peut-être ça va faire de la mousse. J'ai marché sur la mousse. En vrai, elle abuse. Ah non, j'avoue, c'est une distance quand même. Oh là là, Amino, tu m'as fait peur, wesh. Mais c'est un fou furieux. C'est quoi, je vais mettre ma batterie. Non, j'ai plus de batterie.
foutu, je suis tellement foutu. Avec les toilettes, tire la chasse. Avec les toilettes ? Me dis pas qu'il peut passer ça. Me dis pas qu'il peut passer ça. Il est trop gros normalement. J'en étais sûr, il est trop gros. Il est beaucoup trop gros. On dirait l'image du tigre qui crie comme ça là. Et le singe il est comme ça. Je sais pas si vous voyez c'est quelle image. Non, le singe il est comme ça. Non, vas-y, faut qu'il parte un peu là quand même. Non, là tu forces là. Oh, j'ai cru qu'il allait réussir à passer, c'est fou. Oh, il laissait passer. Il laissait passer par tous les moyens. Oh, j'y suis presque. Vas-y, il est parti, je vais tirer une autre chasse. Allez, encore 3 chasses et c'est bon, je pense. Vas-y, 3 chasses et ça doit être bon. Il veut. Vas-y, abuse pas, frère, donne un peu plus d'eau. Il est où pour faire autant de bruit là? Ah, il est là. Donne un peu plus d'eau, frère. Vas-y, je pense encore un. Ah, j'ai pas le temps. Allume tous les robinets pour déborder. Les robinets? Faut qu'il carabine d'ici par contre. Il était en train de marcher vers moi. J'excusez. Ah, on t'a dit robinet, concentre-toi, pas les toilettes. Billy, ta dernière radio de terre était la meilleure, je pense, vraiment incroyable. Ouais, franchement, elle était très très sympa la dernière. Force. Il a un manque d'attention, c'est pas possible. Arrête de crier et t'entends. Ah ! Non. Les robinets, vas-y. Ça marche pas les gars. C'est pas un robinet. Je sais mais... Les gars, je peux plus attendre de robinet là.
Les gars, je peux plus l'atteindre de robinet, c'est mort. Regardez, je vais sortir, il va venir sur moi. Je peux plus. Oh, il y a un robinet là. Toi, tu fais moins de bruit. Wesh, my guy froze. My guy froze. C'est bon, on a compris, frère. Oh, j'ai failli le passer. Je suis sûr, avec un peu d'entraînement, je peux le passer. Regardez là. Vas-y, mais c'est quoi, je vais m'accroupir. Non, là, c'est abusé, les gars. Je vous jure, c'est abusé. c'est bon, je te laisse tranquille. Il est obsédé par toi, dinguerie. Non mais là, il veut. Il veut. Il est juste là. Non. Il y a quelqu'un qui a gris. He wants you so bad. Les gars, je peux plus sortir. Je peux plus. Et dites pas, arrête de parler. Parce que regardez bien, je parle. Et le jeu, il m'entend pas. Parce que c'est le micro de ma caméra. C'est pas mon vrai micro qui est dans le jeu. Et le micro de ma caméra, il entend rien. Ah, il veut trop là. Suicide-toi, ouais, faut que je me suicide, je pense. C'est dommage, je pense, encore quelques robinets et c'est bon. La tête d'homme, j'y vais en courant. Ah frère, abuse pas.
Les gars, j'ai officiellement plus de... J'ai plus de piles là. Il a tellement de temps, pourquoi il flippe comme ça? Mais en fait, c'est le bruit, il le déclenche de loin. C'est monté lourd en vrai. Bah, vite fait, hein. Vas-y, hé là, j'allume tout là. Pam, 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 j'allume tout. Hachem! Ouah! Mais non, laisse-moi robiner au moins. Vas-y frère, j'en ai marre. Oh, j'ai un nouveau glitch. Sauter plus accroupir. Monte sur le savon. Sur le savon? Oh! J'ai réussi une seconde, je suis pas fou. Attendez. Eh, celui qui a dit ça, c'est un génie. La tête de l'homme, c'est un génie. Incroyable, incroyable, bravo, bravo, bravo. Je pense qu'il a dit ça pour Derek au début, mais incroyable. Tout ça pour ça, mais c'est incroyable. Par contre, donnez-moi des piles aussi. Ce Dark Room, mais on a pas fait ce niveau déjà? Il me faut des piles, il me faut des piles, il me faut des piles. Il me faut des piles. C'est quoi c'est pas que j'entends là? Je dis pas que j'ai un monstre. Je dois couper le courant d'une manière ou d'une autre. Ok. Non mais des fois il y a des bruits de fou, c'est quoi? J'ai peur de Benzé. Y'a quoi? Mais il se passe quoi, wesh? Non! C'est quoi ça? Subhanallah, c'est quoi? J'ai peur de fou! J'ai peur de fou, c'est quoi? C'est quoi? On dirait Mickey Mouse? On dirait Mickey Mouse, c'est quoi?
J'ai utilisé mon glow stick. Hein? Putain, je peux plus le ramasser, je suis long. C'est ça. Mais on voit rien, c'est quoi cette merde? Je suis obligé de faire glow stick et ça. Ok, d'accord, c'est pas grave. Il y a des bruits, je comprends rien. C'est quoi ce bordel? Vas-y, il est où le générateur là? En fait, quand ça commence à tout péter là, c'est que je dois trouver le générateur en fait. Le générateur, il est certainement pas là. Au fond, il y avait les robinets, c'est bon, je me rappelle. Oh, c'est là. Wouhou. This will cut the power. Cela couperait le courant, mais c'est que toutes les lumières seront éteintes. C'est pas grave! C'est pas grave! Ouais, je vais jamais retrouver le chemin. Je venais de là, je crois, non? Ok, une porte cassée. Les robinets au fond. Wouhou! Ok, il a fait le passage du tweet ou pas? Bah non, là j'y suis là. Waouh, la musique est archi stylée. Le chlore brûle. Sympa. Oh, l'eau, elle a l'air si chaude, j'ai trop envie de m'y baigner là. Je peux? C'est ça le chlore? Ou c'est de l'eau, t'as la chaleur? Ah, mais est-ce que je peux passer quand même? Non, je pense pas. En fait, on peut courir en fait. Wesh, on a un monstre basketteur là. C'est quoi ces bruits de parquet? Je kifferais trop me retrouver dans une piscine géante comme ça un jour. C'est quoi cette salle de Golemont?
Wouhou! Ah! Wesh, la dinguerie! Wouhou! Wow, c'est archi beau! Ça, c'est le niveau le plus relaxant qui m'était donné là. Comment je peux atteindre les balcons? Quoi? Ça va en fait. Ils nous ont mis un lapin crétin là. Ça faisait pas très peur, ça va. Le frérot, il a un setup à 10 000 balles et le cadrage de ma tante du bled en FaceTime. Non mais mon setup, il va être bien là, bientôt là. Mais c'est ça le monstre de ce niveau? Il croit qu'il fait peur à qui là? Un jeu d'horreur lapin crétin, j'y pense. Ce serait incroyable. Il m'emmène à la... au bon chemin. C'est un bond de ouf. Il m'emmène dans la bonne direction. Non, je l'ai perdu de vue. Une boule de billard. Ça, c'est le lapin crétin. A magic ball. J'ai jamais su ça servait à quoi les magic balls. Ils en vendaient dans la boutique où j'allais quand j'étais petit, mais je sais pas, c'était trop bizarre. Miskin, il allait loin de ouf. Ah, on est sur le balcon, non? Là, je me sens moins à l'aise, là. Non, ça se voit, le jeu veut pas que j'aille là. C'est trop facile d'aller là directement. Le jeu veut que j'aille là-bas. Là, là. Ce bruit. Putain, j'entends des bruits de renard dans mon jardin. Il y avait le petit lapin crétin.
Oh non, le monstre de la vidéo. C'est le monstre de la vidéo. En fait, le mec, il pouvait courir. Pourquoi il courait pas? Par contre, Bellec, elle est là, là, à droite, là. Je sais pas où. Il m'a regardé, j'étais choqué, marché. Ça, je vais la suivre, elle a l'air de connaître le chemin. La cam, elle est divisée par deux. Mais pourquoi vous dites ça? Non, depuis tout à l'heure, je suis mal dans la cam. Attendez. Oh, je suis mal dans la cam depuis tout à l'heure. Non mais là-bas c'est un cul-de-sac, je peux pas aller là-bas. C'est un cul-de-sac. Mince, mince, mince. Ah, elle est repartie. Mais ça, ce monstre, en vrai, de vrai, il me faisait peur dans la vidéo, mais il est surcoté, on dirait, non? Il est surcoté parce que je vais lui mettre une vitesse, regardez bien. En plus d'être surcoté, le monstre est bête. Il te poursuit pas encore. Ah ouais? N'ouvre pas tes yeux sous l'eau. D'accord. Bismillah, 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 je cours pas assez vite, j'ai l'impression, bismillah. Non, petit lapin, dis-moi vite. Ah non. Je vous jure que quand j'ai allumé la lampe torche et que j'ai vu que c'était un cul-de-sac, je me suis dit bien joué. Bravo. Oh non! Ça recommence depuis le début, wesh. C'est bon, j'arrête, j'arrête de passer là-bas. Bon, en tout cas, maintenant j'ai la carte. Je peux passer la pièce. Ouais, c'est quoi cette pièce de fou? Ah non, le cul-de-sac, je m'en remets pas. Elle est pas là, là, le monstre, là, direct, là. C'est quoi en face? On dirait une mariée. Ah non, c'est de lapin. T'as encore la carte? Ouais, j'ai la carte. Va l'activer, mais je sais pas où l'activer, les gars. Ya, yeah. Pas mal, pas mal.
Il m'a surpris parce que il était au fond de la pièce là-bas et il était là en fait. Bravo. Non, il va m'activer le renard là. C'est des hacks, ce petit bonhomme. Ouais, je m'écris un mot. Friends. On est amis si tu me désactives la chaleur là. Putain, le gars dans le chat qui m'a dit saute sur le savon, c'est un héros. Vraiment. Un petit afrit le monstre. En fait, j'ai l'impression que je suis bloqué au rez-de-chaussée depuis tout à l'heure alors qu'avant j'arrivais à monter en haut quand même. Je sais plus comment j'arrivais à monter en haut. Ah, il force là. Il force du buzz là. Mais tout à l'heure, je faisais comment pour monter en haut? Je comprends pas. Alors là, on l'a même pas vu. Non mais là, c'est une dinguerie, je peux aller nulle part. C'est une dinguerie. On dirait que ça m'a fermé toutes les portes du jeu. Pas mal, pas mal. Celui-là il était pas mal. Wow, il y a tellement d'entrées de trucs. Non, je vais pas aller là. Ouais, c'est un jacuzzi. Non, je vais mourir si je vais dedans. Billy, j'ai dit au hasard pour le savon. Bah voilà, ça a marché. La carte, elle marche sur ça peut-être. J'ai réussi le niveau. Non, c'est une dinguerie. Voilà, j'ai peur. Laisse-moi cuire mon plat en paix là. La magic ball. Non, j'ai pas de plat à faire cuire, c'est quoi ce bordel? En fait, je suis censé avoir quel plat à faire cuire là?
Malifood. Cuit le codex. Abusez pas, les gars. Pourquoi le codex? Cuire une pile. Oh, j'ai cru que ça avait marché, mais non, en fait, ok. Activer la carte, j'ai déjà activé la carte en fait. Shkun. Shkun Hada. Non mais c'est un nouveau monstre là, celui, c'est pas possible. Vous savez quoi, je vais sauter dans le jacuzzi au milieu. Attendez, pourquoi tout a changé là? C'était pas comme ça avant. Hein? C'est quoi ce bordel? J'avoue, ça a changé. Non, non, Alors là, j'ai plein de clés. Vas-y, ça me propose. Hop. Okay. Ça change de seed à chaque mort. Mais wesh. En fait, je suis mort plusieurs fois et ça m'avait gardé le même seed. C'est ça que je comprends pas. Ok, c'est bon, je capte. Non, le jeu, il est fort quand même. Il est fort, le jeu. Par contre, je sais pas c'était quoi le plat à faire cuire, là. Ah non, mais ça change tous mes repères carrément. Le bruit de l'eau va me rendre fou, j'avoue que... Non mais ce seed il est trop dur, c'est pas possible. Et quand je dis seed, je parle de ce seed SEED, je parle pas de seed G là, attention. Ça, je vais prendre le toboggan mais par dépit. Je le prends par dépit, vraiment, je... Allez. Wouhou. Hein? Mais j'avais déjà sa carte. Mais non, j'avais déjà sa carte. Je m'y attendais pas, c'est grave. Belle queue. En fait,
ça eux qu'on dirait un bon plaid. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, elle est en forme de plaid. Wesh, elle est sahab avec le lapin crétin. Je savais que c'était un traître à la nation. Ah, il fait Zahma ami, mais. Ils sont sahab tous les deux. Je savais très bien. Une alliance pour tenir. Oh non, mais elle va pile là où je veux aller, mais c'est pas possible. Elle sait où aller celle-là. Rien. Ah! Elle casse les portes! Mais wesh! Non, là, je faisais pas de bruit. Je faisais pas de bruit! Vite! Ah! Bravo! Je faisais vraiment pas de bruit pour le coup. Ok, ça m'a remis le même site. C'est le dernier niveau celui-là. Ouais, je crois que c'est le dernier niveau. Ouais. Ah, la suite déjà, il est déjà là. Là. Vas-y, je vais bien speedrun. Tu sais quoi, je vais aller là où elle a cassé la porte alors. Ça a changé, non? Je sais. Faut pas que je l'active tout de suite parce que j'ai pas le plat à faire réchauffer. Peut-être c'est dans mon codex, non? Il y a quelqu'un, je suis pas fou. Ah. Ouais, il m'a fait peur à mort. Il est gênant un peu. Moi, je le trouve gênant personnellement. Il aime beaucoup l'attention, on va dire. Là, ça, j'ai activé toutes les pièces. J'ai vraiment activé toutes les pièces là. Là, ça va me donner la carte du soldat, ça encore. C'est incroyable. Je mets le masque dans le micro-ondes.
C'est bien, bien. Bien. Elle va m'avoir dans un cul-de-sac, je le sens. C'est quoi déjà ici? Non, faut que j'y mette ça. Vas-y, au calme. J'ai le masque, j'ai juste essayé dans la zone chaude. Ça devrait aller là. Non. Le masque! Non! 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 Rendez mon masque! Au lieu de mettre les musiques de Scarface là! J'aime bien le nouveau Billy, l'ancien aurait déjà abandonné les yeux. Bah voilà que j'étais en train d'y penser dans ma tête. Je me suis dit. Ah, c'est bon, ça commence à être beaucoup. Non, le masque. Oh non. Ah, je suis lion. Là, ils ont intérêt à me le redonner en 2 secondes là. Je vais pas blaguer avec eux. Allez, donne-moi un toboggan là. C'est quoi cette salle de fou là? Ce site, il est trop bizarre. Cette salle, elle sert à rien. Avec le masque, j'aurais peut-être pu plonger dans ça là, je suis dégoûté. Vas-y, je speedrun le jeu, ça c'est bon, j'en ai marre. Allez, on met le mot au masque. C'est bon, j'ai le masque là. Oh! Le masque plus la lune. Oh non, le masque. Je regrette tellement ce masque. Wow! Ah oui! Ah oui! D'accord. Ah, j'ai des moustiques sur moi. Non. Lui, le fait qu'il est là posé à me regarder, ça me tue.
Attendez, je vais lui faire un torticolis. Je l'ai semé, je crois. Adieu. Oh. Wesh. Je crois que j'ai réussi à la semer, je crois. Énervé, on va pouvoir continuer. En vrai. Mais direct. Allez bien, ça va te faire... on va te faire un peu de sport là. Quoi? Waouh, c'est terrifiant. Ok, c'est bon. Elle a arrêté de me courser. On peut marcher maintenant. Il est lent de fou en vrai. Non, t'es malade. Il me colle aux fesses. J'ai envie de taper un croc là. Je le sens venir, il y a sa tête derrière le mur là. Voilà, je savais. Non mais elle me court sous le temps, c'est pas possible. Vas-y, adieu. Je crois le jeu, ils ont pas aimé ma feinte. Le jeu, ils ont pas kiffé, ils l'ont fait pop devant moi comme ça là. Bon, vas-y les gars, faut juste que je retrouve le masque. Non, ce site il est trop dur, c'est quoi ça? Bon, allez, si Stobogram m'emmène au masque, je suis Gucci. Ok, faut que j'aille le réchauffer au micro-ondes. Allez, on va finir ce jeu. Allez, 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 on a juste besoin d'activer la carte. Let's go! Abuse pas, me course pas, abuse pas, me course pas. Non, ah, mais bouge pas! J'ai plus de batterie en plus! Non, j'ai merdé. Ok, j'ai le masque au moins là. Vous savez quoi? J'ai juste à rejoindre cette pièce en haut là. Cette pièce et c'est bon.
Dommage, je peux pas. J'essaie de glitcher là. Vas-y, faut que je fasse le jeu comme tout le monde là, c'est bon. Saute sur le savon. Ah ça y est, ah, t'étais à l'ancienne toi frérot, c'est bon. T'as, tu dates. C'est quoi cette pièce de Godemont? En vrai, je vais prendre le document, on sait jamais. Hop. Bon, la famille, je termine bientôt le jeu. Je termine bientôt le jeu, faut juste que je trouve la pièce où mettre la carte. Peut-être là. Non. Non, c'est pas là. C'est pas là, peut-être là-bas. T'as dit quoi? Les clés, ouais. Wesh. Hein? Vas-y, viens. C'est quoi cette pièce de fou? Je t'ai jamais vu. C'est quoi cette pièce de malade mental? Ah mais là, c'est trop là. Là, c'est plus un nouveau site, là. Allez, la pièce, on met le code, s'il vous plaît. C'est quoi ce site? Mais ça, ils m'ont donné un site démoniaque. Encore, non. Ah, ça va activer le monstre, je suis dégoûté. Ok, let's go. Ok, la feuille, elle me dit quoi? Masque de plongée plus yeux et lune. Yeux. Wouhou! Pourquoi faut faire chauffer un masque au micro-ondes? Je comprends pas. Non, il est où dans mon inventaire? Commencez pas. Pourquoi ça bug? Non!
Ah! J'avais pas vu, pardon. Ok, là, vous savez quoi? Je peux même mourir. J'ai l'objet et je pète à droite direct. Vous savez quoi? Je vais mourir exprès là. Allez, viens. Je vais finir le jeu dans les histoires. Dans les règles de l'art. Il est bête, t'as rien fou. Allez, c'est là, je le sens. C'est là. Non. C'est tout là-bas, oui, je me rappelle. C'est tout là-bas. Me dis pas qu'elle me sait toujours par contre. Ah. Ah oui, parce que j'ai le truc. Oh yes. Yes, 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 yes. Incroyable. Un maximum de subs dans le chat. En même temps, j'abuse un peu quand même. Nouveau. Oula, nouveau. Nouveau niveau à venir. Merci d'avoir joué. Incroyable, franchement, le mec ou la société derrière ce jeu, il sait faire du jeu d'horreur. C'est très très oppressant et c'est pas tant les monstres qui me font peur, mais vraiment l'ambiance, le fait d'entendre ces bruits et de savoir que la patate elle arrive à tout moment, ça me terrifie. Ah ouais, incroyable. C'est quoi un mode personnalisé? Scratch the clown. Il y en a un que j'ai pas encore fait. Le clown, je l'ai jamais vu par contre, je crois. Ah si, dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, effectivement. On n'oublie pas le savon. Incroyable le savon. Est-ce que mon PC bug là? Ok, franchement, incroyable. Bon la famille, j'espère que vous avez kiffé le live de ce soir. C'est la fin de ce live, franchement désolé, j'ai mis un peu de temps à terminer le jeu vers la fin. La famille, je vais live quasiment tous les jours pendant une semaine. Et soyez prêts, l'annonce de mon event arrive. Elle arrive d'ici quelques jours, franchement je vous ai dit, ça se compte en une semaine maximum. En fait c'est dans peut-être 3-4 jours, mais voilà, je sais pas encore la date exacte. Mais je vous annoncerai le live et vous découvrirez tout pendant live, tout ce sur quoi j'ai travaillé avec mes équipes depuis plusieurs mois. Et voilà, j'étais pas très présent sur Twitch encore une fois parce que ça me prenait beaucoup beaucoup de temps. Je me suis pas foutu de votre gueule, je vais vous proposer un event de fou malade. Et voilà, ça arrive bientôt la famille. Je vous fais de gros bisous, je vous dis certainement à demain en live. Demain je relive peut-être vers la même heure, peut-être 21h30, peut-être 22h. Mais voilà. A demain la famille, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon live, prenez soin de vous. Salam alaikum tout le monde. Bisous, ciao. T'as fait un bisou, t'es un mojito à l'ancienne. Ciao la famille. Et n'oubliez pas d'aller voir la dernière radio d'éther que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Et ce live, il sera en rediff dans 2 jours sur la 2.0, ok. Allez voir ma radio d'éther sur la chaîne YouTube la 2.0, je l'ai sorti hier. Et voilà, très sympa, très drôle. Donc voilà. Bisous la famille, ciao. Ciao tout le monde. Enfin fini ce live de...